Les Chinois, quand ils ont compris que leurs informations, ils pouvaient les utiliser pour eux-mêmes, pour pouvoir faire la propagande de leur propre vision du monde, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont créé leur propre version Facebook. Ils ont créé leur propre version YouTube. Ils ont créé leur propre version WhatsApp. Ils ont créé leur propre version Google. Personnel, dans cette vidéo, je vais partager avec toi la partie 2 du résumé du livre du docteur Paul Foucault-Camogne qui s'intitule L'intelligence économique. Si tu n'as pas encore suivi la partie 1, une fois que cette vidéo sera terminée, je te mettrai tout en description pour que tu puisses suivre la partie 1. Cela dit, ma personne, régale-toi. Ma personne, au 21e siècle, à l'ère de la guerre de l'information, Internet reste un outil non négligeable. Tu ne le sais peut-être pas, mais à l'origine, Internet a été créé pour permettre à l'armée américaine de collecter des informations pendant la guerre froide. Parce que ce qui s'est passé pendant la guerre froide, c'est que la Russie avait réussi à lancer dans l'espace son satellite Sputnik. Donc les Américains, quand ils ont vu ça, pour rattraper leur retard technologique, ils ont décidé de mettre en place le projet ARPA. Ce projet ARPA avait pour but de protéger les informations américaines. Sauf que pendant les années 90, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée américaine utilisait Internet durant les années 60. Donc, aux années 90, les Américains se sont rendus compte que même Internet peut être un outil puissant pour collecter des informations d'une manière différente. C'est donc comme ça qu'on passe de l'Internet version 1.0 où les pages étaient reliées par des liens hypertextes à Internet 2.0 où on peut avoir des blogs, on peut avoir des sites Internet, on peut encore avoir des pages pour échanger des informations. Du coup, lorsque tout le monde peut avoir des blogs où ils mettent leurs informations, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Ils viennent juste dans cette grande base de données que constitue Facebook, YouTube, Snapchat, machin truc, pour juste purger les informations dont ils ont besoin et s'en servir. Et ils se servent de ça comment? Eh bien, quand ils purgent ces informations-là, parce que je l'ai dit en début de vidéo, le diamant au 21e siècle, ce sont les informations. Le diamant au 21e siècle, ce sont les données. Le peuple le plus puissant au monde au 21e siècle, c'est le peuple qui a les données. Donc, qu'est-ce que les Américains font lorsqu'on nous on donne tous nos données à Facebook, WhatsApp, Snapchat, machin truc? Ben, puisqu'ils récupèrent ces données-là, ils peuvent maintenant s'en servir pour pouvoir concevoir des produits taillés sur mesure et donc proposer ça à la population. Ils peuvent utiliser ces données-là pour influencer l'opinion publique. Tu ne le sais peut-être pas, mais le docteur Paul Foucault-Camogne précise bien dans son livre que, d'après une étude qui a été menée par un journaliste dont j'oublie le nom, eh bien, Facebook travaille avec les services secrets américains. À ton avis, pourquoi est-ce que lorsque tu mets une information sur Internet, même quand tu supprimes, l'information n'est jamais supprimée? Tu sais, au 21e siècle, même si tu n'es pas sur Internet, tu y es quand même. Parce que si tu n'es pas sur Internet, il y a forcément quelqu'un qui est sur Internet et qui va mettre des informations sur toi parce qu'il va peut-être t'identifier sur une photo. Il va peut-être mettre un truc. Mais bref, nous sommes tous sur Internet. Donc le but du jeu ici, ce n'est pas de dire qu'on va sortir d'Internet, non. Mais c'est de savoir comment utiliser Internet à nos propres profits. Donc ce n'est pas un hasard si parmi les 10 réseaux sociaux les plus puissants au monde, on a les 5 premiers qui sont américains. Ce n'est pas un hasard. Ils ont bien compris la puissance d'Internet et ils s'en servent de manière optimale. Les Chinois ont bien compris. Et tu sais ce que les Chinois ont fait? Les Chinois, quand ils ont compris que leurs informations, ils pouvaient les utiliser pour eux-mêmes, pour pouvoir la propagande de leur propre vision du monde, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont créé leur propre version Facebook.
ils ont créé leur propre version YouTube, ils ont créé leur propre version WhatsApp, ils ont créé leur propre version Google. Le clone de Google en Chine, c'est Baidu. Le clone de WhatsApp en Chine, c'est WeChat. Le clone de Facebook en Chine, c'est Tencent Qzone. Donc, contrairement à ce que tu pourrais penser, le premier réseau social utilisé en Chine, ce n'est pas Facebook, c'est Tencent Qzone. La Russie aussi a compris. C'est pour ça que le premier réseau social en Russie, ce n'est pas Facebook, c'est VKontakte. L'Afrique du Sud aussi a compris. Parce que le premier réseau social en Afrique du Sud, ce n'est pas Facebook, c'est M-Site. Oui, ma personne, c'est puissant, tu m'as compris. Et du coup, quand elles ont leurs propres réseaux sociaux, donc elles collectent leurs informations, elles s'en servent pour pouvoir mener à bien une mission qui va pouvoir servir leurs propres intérêts, plutôt que de passer leur temps à nourrir les réseaux sociaux qui sont détenus par des entités exogènes, qui vont nourrir les intérêts des entités exogènes, qui vont utiliser ces données-là pour les dominer. C'est pour ça qu'il y a tout le temps une relation tumultueuse entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Parce que si tu remarques bien, toutes les instances, les plus grandes instances mondiales, l'ONU, l'OMS, bref, toutes ces grandes instances-là siègent aux États-Unis. Donc, lorsqu'il y a une région du monde qui n'adopte pas la vision états-unienne, les États-Unis les considèrent directement comme étant en conflit. Et les Chinois, les Américains, les Russes, ils ont bien compris l'intérêt. Je vais aller plus loin pour que tu comprennes à quel point c'est important que chacun puisse s'accaparer de l'outil Internet. Tu sais, Google. Google, c'est une grosse machine au 21e siècle. Google a décidé de racheter plusieurs entreprises diverses et variées. Aujourd'hui, elle a plus de 207 entreprises qu'elle a rachetées. Tu sais ce qui se passe quand Google rachète autant d'entreprises? Eh bien, lorsque tu vas par exemple sur Internet et que tu tapes agence de voyage, ce qui va se passer, c'est que les agences de voyage que Google va te proposer en premier, ça sera des agences de voyage qui appartiennent à Google. Il sait pas ce que vous voulez. Du coup, les agences de voyage qui n'appartiennent pas à Google vont être renvoyées à la 8e ou à la 9e page. Les pages dans lesquelles personne ne va jamais. Ceci a d'ailleurs valu un procès à Google. Je vais encore aller plus loin, ma personne. Tu sais, même au niveau du cinéma, tu ne le sais peut-être pas, mais les films à gros budget américains sortent en deux versions. Une version que nous tous on connaît et une version qui est propre à la Chine. Parce que les Chinois ont bien compris que dans les films américains, leur but est de faire la propagande de la culture américaine et parfois même au détriment des autres populations. Donc la Chine, comme eux, ils voulaient garder un certain contrôle sur leur population, un certain contrôle sur leur culture, un certain contrôle sur leur géographie. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé plusieurs films américains à gros budget sur la censure. Pas censure, tant pour moi. Du coup, les Américains, comme ils savent que le marché chinois est un marché très rentable, un marché qui a plus de 1 milliard d'habitants, eh bien, ils se sont vus obligés de faire une version chinoise qui va respecter les normes de la Chine en respectant la culture chinoise et une version que tout le monde utilise. Malheureusement, une fois de plus, chez nous en Afrique, on absorbe tout ça à tout vent. On ne contrôle absolument rien. Bilan des courses, eh bien, nous sommes encore et toujours victimes des mêmes campagnes de propagande qui mettent à mal nos propres cultures. Les pays qui ont compris que le peuple qui détient la science, c'est celui qui détient le pouvoir, investissent massivement dans la recherche scientifique. Ils investissent massivement dans la recherche et développement, ceci afin de faire évoluer leur technologie. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis sont la première puissance mondiale sur tous les plans, parce qu'ils investissent des budgets énormes dans la recherche et développement. Maintenant, ma question, quel est le budget que les pays africains investissent dans la recherche et développement? Si ça existe même. Parce que je sais que oui, on dit souvent que à l'université de Ngoyekele, ou je ne sais pas trop où, il y a une filière recherche, je ne sais pas trop quoi. Recherche, on recherche quoi? Bon, depuis quand on recherche là, qu'est-ce qu'on a trouvé qui a vraiment révolutionné le monde?
Oui, c'est vrai que par le passé, nos ancêtres avaient des découvertes hyper pertinentes. On était très avancés au niveau de la science. Mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la science, franchement, on n'est pas au rendez-vous. Donc le but ici, ce n'est pas une fois de plus d'accuser nos gouvernants, parce qu'on sait tous qu'ils y sont pour beaucoup. Mais se plaindre pendant 50 ans, ça ne va rien changer. Parce qu'on sait que depuis on se plaint, ça n'a rien changé. Donc c'est pour que chacun se rende responsable dans le fait de devoir investir dans la recherche et développement. Et si jamais peut-être toi, tu es ami avec l'enfant de... On ne sait jamais. Partage cette vidéo afin que lui aussi puisse prendre conscience du challenge qui se joue en ce moment et que plus tard, quand lui aussi sera en âge de décider, plus tard, quand toi aussi tu seras en âge de décider, que tu puisses prendre des décisions en prenant en compte le fait que c'est important d'investir dans la recherche et développement. C'est une notion de devenir plus puissant. Parce que le monde est divisé en deux pôles, ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Et pour dominer, il faut avoir la science. Et pour avoir la science, il faut investir dans la recherche et développement. Tu sais, aux États-Unis, je prends l'exemple des États-Unis parce que voilà, c'est la référence, quoi. En 2015, il y a une statistique qui a été menée et il révèle que la différence entre les universitaires qui quittent les États-Unis et les universitaires qui entrent aux États-Unis est de plus de 11 millions. Je te parle de 2015. Parce que quoi? Les États-Unis, ils ont la capacité d'attirer les cerveaux. Du coup, tu as de plus en plus de gens d'universitaires, donc de têtes bien pensantes, qui quittent leur pays d'origine et vont aux États-Unis pour mettre leur cerveau, pour développer les États-Unis et rendre encore les États-Unis plus puissants. Parce qu'ils ont cette aptitude-là de pouvoir absorber les talents, absorber les cerveaux, absorber les universitaires. À l'inverse, chez nous en Afrique, qu'est-ce qu'on a? La fuite des cerveaux. Donc, quand on a les étudiants les plus brillants, ils s'en vont. Du coup, qui sont ceux qui vont rester pour développer l'Afrique? Point d'interrogation. Et les pays comme les États-Unis, la France ont bien compris. Et eux aussi, ils sont dans cette logique-là d'attirer les meilleurs cerveaux vers eux. Parce qu'ils ont compris que ce sont des cerveaux qui sont utiles. Ils sont utiles. Les Chinois et les Indiens, par contre, ils ont bien compris cette logique-là. Mais comme ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir attirer autant de cerveaux dans leur région que les États-Unis, le Canada, l'Australie, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, leurs étudiants ou leurs professionnels les plus brillants, ils les envoient aller copier la technologie à l'extérieur pour revenir implémenter ça chez eux, en Chine ou en Inde. Et d'ailleurs, ce qui explique le fait que on ait autant de clones de la technologie américaine en Chine. Tout à l'heure, je te parlais de WeChat, qui est juste un clone de WhatsApp. Je te parlais de Baidu, qui est un clone de Google. Je te parlais encore de Tencent Qzone, qui est un clone de Facebook. Ce n'est pas un hasard. Eux, ils ont adopté cette stratégie-là. Donc, le docteur Paul Fokam-Kamounier, dans son livre, explique clairement que les Africains, chaque Africain qui se trouve à l'extérieur doit se comporter comme un ambassadeur. Donc, quand on est à l'extérieur, on doit toujours avoir dans un coin de nous peut-être que, ok, je viens ici, j'apprends des choses, mais il faut que je pense à retourner implémenter ce que j'ai appris ici, en Afrique, bien sûr, en contextualisant la chose. Et moi, j'ai même pour habitude de dire que, au 21e siècle, être Africain, c'est une bénédiction. Je répète, au 21e siècle, être africain, c'est une bénédiction. Pour la simple raison que chez nous en Afrique, il y a tellement de choses à refaire. Ceci à tel point que on n'a même plus besoin d'être excellent pour s'en sortir en Afrique. On a juste besoin d'être bon. Je dis pour s'en sortir en Afrique, parce que maintenant, s'il faut aller en compétition à l'échelle mondiale, il faut se mettre au niveau. Mais toi, à l'échelle individuelle, si tu veux juste pouvoir t'en sortir, tu n'as pas besoin d'être excellent, tu as juste besoin d'être bon. Donc, tu vois un concept qui existe ailleurs. Tu copies, tu implémentes et tu contextualises. Et ça te fait un business. Et maintenant, avec un peu de temps, de travail acharné, ça va fleurir. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait une petite expérience.
J'ai pris le livre de Robert Kiyosaki intitulé Père riche, père pauvre, et j'ai fait de ça un résumé. Mais lorsque je suis allé taper résumé père riche, père pauvre sur YouTube, eh bien, ma vidéo était très, 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 très loin. Pourquoi? Eh bien, parce que des résumés de ce livre, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes et des tonnes. Du coup, moi positionner dans cette niche-là, c'est très compliqué. Du coup, quelques jours plus tard, j'ai découvert le livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, qui est un excellent livre en termes d'éducation financière. Quand j'ai découvert ce livre, très vite, je suis allé sur YouTube, j'ai saisi le résumé du livre La chèvre de ma mère. Nous sommes en 2018, il n'y avait aucun résumé sur ce livre. Du coup, je me suis dit, ben, s'il n'y a pas de résumé de ce livre, eh bien, je peux en faire un. Du coup, j'ai fait... Comment? Non, je vais débrancher parce que j'ai pas tout. Mais là, je vais débrancher. T'es sûr? Oui, moi, c'est moi qui ai débranché. Non. Du coup, j'ai fait un résumé de ce livre et très vite, j'ai été référencé en haut du tableau. Du coup, dès que quelqu'un tapait résumé de la chèvre de ma mère, c'est sur ma vidéo qui tombait. Tout ceci est pour te faire comprendre que tu es africain au 21e siècle, il y a tellement de problèmes en Afrique. Donc, quelqu'un qui parle de ce business, c'est que problème rime avec opportunité de business. Donc, tu vois un concept qui a eu, tu copies et tu implémentes, tu ajoutes ta petite touche d'originalité, tu contextualises. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Et les Chinois sont même encore allés beaucoup plus loin dans la notion du copier. Ce qu'ils font aussi, c'est que des fois, ils envoient leurs meilleurs professionnels en espionnage. C'est comme ça que tu peux retrouver un Chinois dans un grand laboratoire qui se fait passer pour un homme de ménage ou pour une femme de ménage ou pour un éboueur. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il prend des photos, il écoute. Et après, toutes ces informations-là, il fait un rapport, il envoie en Chine, les gars implémentent, allez, il développe quelque chose. Des fois même, les Chinois envoyaient un de leurs meilleurs éléments avec le prétexte que cet élément-là, c'est un exilé politique. Alors qu'en fait, c'est un espion. Donc, il arrive par exemple aux États-Unis en tant qu'exilé politique. Il s'intègre, il devient même chef de projet. Il développe tout le projet. Ensuite, il envoie les données en Chine. Tout ça, ça demande des notions en intelligence économique. Et nous vivons dans un monde, comment on dit, c'est la jungle. C'est le plus malin qui s'en sort. Tout le monde peut voler, mais il ne faut pas se faire prendre. Le moteur de l'économie d'un peuple, ce sont ses entreprises. Et ça, les États-Unis l'ont bien compris. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les États-Unis sont la première puissance économique dans le monde. D'ailleurs, si tu interroges le top 5 des entreprises les plus puissantes au monde, tu verras qu'il y a 4 entreprises qui sont américaines. Microsoft, Alphabet ou Google, Facebook et Apple. Ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, quand tu interroges l'histoire, tu as vite fait de te rendre compte qu'au lendemain de la guerre froide, le gouvernement américain a décidé de réorienter leurs services de renseignement vers les entreprises afin que celles-ci puissent développer leur technologie et donc asseoir leur pouvoir économique. En 1999, les services de renseignement américains ont décidé de mettre en place un projet appelé le projet Intel. C'est en fait un fonds d'investissement que les services de renseignement américains ont mis en place pour pouvoir financer certaines entreprises telles que Facebook. Et donc, quand ils financent Facebook, qu'est-ce que Facebook leur donne en échange? Des informations. Les informations qui sont, je précise, le diamant au 21e siècle. Je vais aller plus loin, ma personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le service de renseignement américain est le service le plus puissant au monde. Ceci à tel point qu'en 1995, grâce à leur service de renseignement hyper puissant, ils ont pu gagner un marché de plus de 1,5 milliard de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1995,
le Brésil avait besoin d'équiper sa forêt amazonienne, qui, je précise, est la forêt la plus grande au monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le poumon de la planète. Ils avaient besoin d'équiper leur forêt de plusieurs radars pour pouvoir contrôler leur forêt. Sauf que sur ce marché, il y avait deux entreprises concurrentes. Thomson, une entreprise française, et Raytheon Corporation, une entreprise américaine. Donc Thomson a essayé de donner un dessous de table au gouvernement brésilien pour pouvoir gagner le marché. Sauf que les Américains, avec leur système de renseignement très avancé, ils ont vite fait d'intercepter cette information-là. Et tout de suite, l'entreprise française a perdu le marché pour corruption. Ceci, c'est pour te faire comprendre à quel point l'intelligence économique peut être importante, surtout lorsqu'on veut s'imposer à l'échelle internationale. Tu peux retrouver ce livre dans mon site internet, argentlivre.com, rubrique boutique. Tous les liens sont en description, donc n'hésite pas parce que tu vas apprendre énormément de choses. Cela dit, ma personne, avant de quitter cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons, à me laisser un message, un commentaire afin que je puisse savoir qu'on est ensemble. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.